Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous fais part de mes derniers achats de chez Action. Je vous ai dit dans une précédente vidéo que je me limitais dans mes achats de matériel artistique pour éviter le gaspillage et surtout pour consommer déjà les quelques blocs de papier à motifs et embellissements qui sont toujours inutilisés. Comme cela faisait un moment que je n'avais plus rien acheté de chez Action, j'ai été tentée cette fois-ci par ces stickers que je trouve très sympas et pas chers du tout. Vous avez deux grandes pages de stickers autocollants pour moins de 2 euros. Et avec ces stickers, vous allez voir que j'ai réalisé deux pages que je vais vous poster très prochainement et qui vont certainement vous inspirer. Alors par la même occasion, j'ai aussi acheté ce set de papier dans lequel vous trouverez des autocollants, des pages à motifs, des arrière-plans, des pochoirs en papier et même un sachet de neige en poudre. Alors j'ai aussi acheté ces embellissements autocollants pour moins d'un euro, ainsi que ces plaques autocollantes de différents tons que je vais certainement utiliser dans mes cartes de vœux. Alors j'ai acheté aussi ces embellissements métalliques. Alors je vais les utiliser aussi pour créer des pages ou alors des cartes à offrir. On peut soit les garder comme ça ou alors les peindre par-dessus avec de la peinture acrylique, c'est-à-dire leur donner un peu de couleur. J'ai acheté aussi ces fineliners. D'ailleurs je vais vous montrer les différentes pointes qu'il y a dans ce paquet. Alors j'ai acheté aussi ce carnet de croquis à 2,49€ de format A4. C'est un carnet qui est assez consistant, il y a pas mal de pages. Le papier n'est pas très lisse, il est légèrement rugueux. La seule chose, je veux dire, il y a un avantage, c'est que si jamais vous avez raté votre dessin ou votre croquis, il y a moyen de retirer les feuilles proprement. Vous avez aussi un ruban marque-page. Vous avez une fermeture élastique et la couverture est en simili-cuir. Donc c'est quand même très joli, je veux dire,
au niveau de la présentation du carnet, je trouve que c'est pas mal d'avoir une couverture comme ça. Alors maintenant, je vais passer au marqueur à pointe fine, les fineliners, et évaluer leurs différentes pointes. Pour cela, je vais tracer des lignes droites et voir s'il y a une grande différence de largeur du trait et si la pointe trace sans interruption. Pour ma part, le traçage, je trouve que le traçage est facile et homogène, mais je n'ai pas constaté une grande différence d'épaisseur de trait entre les pointes, à part le numéro 2. Voilà ce qu'il en est concernant cette petite vidéo de mes derniers achats de chez Action. Dans mes prochaines vidéos, je vous montrerai ce qu'il y a moyen de faire avec ces stickers et comment les exploiter. Dites-moi en commentaire si vous utilisez des stickers, des autocollants dans vos créations et dans quel genre de création. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si c'est le cas et de la partager. Et d'ailleurs, je vous en remercie vivement d'avance. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait. Et surtout d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Laissez-moi un commentaire, une question concernant cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre dès que possible. Si vous êtes intéressé par le dessin ou par le coloriage, je vous invite à télécharger votre kit gratuit dans lequel vous recevrez une formation, des bonus et un tas de conseils très utiles pour bien débuter dans la matière. C'est gratuit et sans aucun engagement. Pour en profiter, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.